Bonjour, bonjour. Nous sommes les Ferchants. Donc, Chouchou, Moustique, Molly et Doudou. Et Doudou. Bon, ben, bienvenue dans notre aventure avec Jack, le camping-car nomade. Qui est derrière, ouais. Voilà. Bon, ben, on partage avec vous toutes nos aventures. On partage nos spots sauvages, bien entendu. Nous, on aime la nature. Pour la suite de ce périple, ce nouveau périple, dont nous partons en direction d'Espagne et Portugal. Espagne et Portugal. Alors, on vous dit pas combien de temps. Non. On ne sait pas où. On ne sait pas. En avant pour de nouvelles aventures. Installez-vous confortablement. Bisous. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Allez, on est parti pour la promenade avec les chiens de traîneau. C'est le bordel aujourd'hui. Petit râleur. Il fait le nerveux. Il fait le nerveux. C'est le démarrage, il va se calmer après. Ah, là, il y a bagarre. Oula. Allez, en avant. Allez, viens, Marc. Vas-y. Bon, ben, on est parti pour faire la promenade. Parce que là, il fait bien chaud. Bon, on le dit ou on le dit pas? Il fait 26. Bon, au soleil, hein. Au soleil, bien entendu, hein. Et voilà, donc on va promener. Et c'est fou le dingo. Ils vont vers là-bas. C'est chiant. Ils sont bizarres. Je vais leur montrer. Alors, oh, ils skient, on a entraînement. Voilà. On a entraînement. Ils n'ont pas un ossier de neige. Regardez-moi la plage. Voilà. Ah, il est là, le gars. Tu vois, il est comme le gars en blanc. On l'a vu ce matin. Et là, il y a le bateau pirate, il y a le restaurant. Voilà, ben, on va passer par là. Après, on va redescendre sur la plage et on va continuer côté plage. C'est en plage, mon cœur. Si tu veux. Allez. Notre voisin, notre femme, et en fait oui. Avec sa femme ils font ça. C'est joli. Moi je vous montre, hein. À Echo, à Mano. Ils le font à la main. D'accord. Mano à la main. Ok. Oh chouette, hein. Este me gusta. Si. T'as ah, vu oui. Toi, tu veux pas avoir comme moi. Comme toi. Tu veux pas en avoir une? Aquí para la mano. Ah, le bracelet. Está dos años aquí. Ah, vale, okay. Vale. Faudrait, je prendrais peut-être un bracelet parce que moi j'ai la. C'est joli, hein. Ouais, alors tu le veux en bracelet ou... Eh ben non, mais si je le mets en collier, j'ai la. Eh ben un bracelet. Obligado, hein. Ouais, está bien. Ah, tu no lo haces esto. Yo compro esto. Tú compres esto y tú lo montes. Vale, vale, vale. Ah putain, t'as un violet là-bas. Ouais, eh ben vas-y, choisis. T'en veux un? Allez, c'est toi. Tiens, je te tiens. Mais j'ai pas pris le sac, j'ai pas. Mais moi je l'ai. J'avais prévu. Je savais qu'il venait, c'est notre voisin. Yo dice, porque me dice, no tengo dinero. Yo dije, me ya he prohibido. Es nuestro vecino. Sí. Ya lo sabía, ya lo sabía. Bon, ben, ok, bon. Le violet alors. Tiens, donne-moi le chien. Attends, regarde, chérie. Yo hago todo. Todo el metal. Sí. Lo hago yo. Tout ce qui est en métal, ça le monte lui. Hein. Todo lo que está sentido. La piedra, cortada. Ah, ouais. Muy bien. C'est hein. Très joli, ouais. Tu l'avais où le violet? Ah, c'est celui-là le violet. Eh ouais, regarde. Hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ce que tu veux. Eso vale para la mano y para el pie. Tu peux mettre à la cheville ou okay. Au pied. Aux chevilles ou à la main. Je m'en sors, les amis, je m'en sors. Si, oui, violet, oui. Yeah. C'est pas beau la One Life. Bon, je vais vous montrer quand même le résultat sur le poignet. Tu as les chiens? Donne-moi les chiens. Okay.
Ça te va bien? Oui, très bien. Impec. Ah, tu as vu comme il fait pour servir, pour serrer les... Mais Robert, bien, tu me le feras. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Gracias. Gracias a ti. Mais là, bellissimo. Comme ça, j'ai, comme ça, tout tiens là. Comme muy bien, muy bien. Este es acero, ¿no? Sí. Steel, de material. Ouais. Et chirurgicano. Comment? Material chirurgical. Les opérations en el cuerpo sí. Que ponen, c'est igual. Titanio. Ça filme? Du coup, regardez comme elle a un joli bracelet, là. Joli, hein? Elle est comme Doudou. Toi, tu l'as là. Doudou, il l'a. Il l'a là. Il l'a là, voilà. Et même ça, on est pareil, hein, mon cœur. On est pareil. Bon, ben, on fait la promenade, hein. On continue la promenade. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Eh, mon garçon. Et où est-ce, tu voulais te refroidir les pattes, hein? Et toi, Molly? Qu'est-ce qu'il a? Non. Voilà, ça y est. Allez. Allez, t'avais le coquillage entre les doigts. Ouais, un petit truc, tu sais. Allez, à l'avant. Allez, c'est ça. Allez, et pour qui? Pourquoi je te donne pas beaucoup de croquettes, mais elles doivent être plus faciles. Ouais, mais ils vont bien dormir. Hein. Moi, je te le dis, ils vont bien dormir. Je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Regardez-moi les. Ils n'arrêtent pas. Ils sont incroyables. Regardez-les. Et alors, il y en a un qui y va. L'autre, il faut qu'il y aille. Ah, lui, il fait la petite pisse dessus. Hein? Ça sent bon. Là, je vais y aller. Allez. Allez, garçon. Tu vas trouver du pétrole si tu continues. Ah, regarde. Ah si c'est beau. Moustique. Là voilà, t'as gagné. Sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Allez, cours. Va te sécher. Ah, Molly. Molly. Allez, viens. Si, elle faut voir les yeux partout. Hein, ma fille. Et tu vas où? Tu roules, hein. Et les pêcheurs. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai fait de l'aïouli. J'ai fait bouillir des pommes de terre pour midi. Et là, maintenant, on va aller voir Chouchou parce qu'il a préparé quelque chose. Je crois que c'est du poisson. C'est tombé. Où que ça sent bon. Qu'est-ce que t'as fait, mon cœur? Hello, hello. Du poisson. Avec de l'échalote, hein, dessus. Bon, là, en dessous, elle est bien, il est bien cuit, là. Hein. Moi, j'aime bien cuit. Ah, ah ouais. C'est nickel, hein, maman? Ah ouais, nickel. La maman, tu peux faire pareil de l'autre côté. Hop. Ah super. Allez, 30 secondes là et c'est bon. Hop. Bon, je fais pas chauffer les patates encore. Yeah. Yeah. Si, j'arrive là, dans 2 secondes. C'est... Allez. C'est cuit là. Bon, à de suite alors. À de suite, maman. On va aller manger. On va aller manger. Oui. Oui, ma belle, oui. Et ma fille et mon garçon. Eh, ils ont faim aussi, eux. Allez, bon appétit, les amis. Bon appétit. Bon, Doudou. Bon appétit, mon cœur. Merci. De même, à vous tous aussi. Et on vous dit à tous bon appétit. Et par contre, je n'ai pas dit le nom du poisson. Alors, c'est des filets de truites saumonées. Voilà. Aïoli. Ça va bien sur les patates. Et tout à l'heure, on va faire... Hein, on a compétition cet après-midi. Ah. On a une compète de brosage. Ça me manque un peu là.
Là, on pense que le devant en fait. Bon, allez. Bisous, bye bye, ciao. À plus. Bye bye. Bonjour, bonjour. Un nouveau départ. Bon, un nouveau départ pour y revenir. Hein. Parce qu'en fait, alors aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on a prévu au programme de Doudou? Alors là, on va aller faire l'eau. L'eau, ouais. On va aller faire l'eau, on va aller vider l'eau, on va aller faire les courses et on va aller faire quelque chose. Visiter et voilà. Un truc. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Eh, du coup, pas de bêtises, hein? Nickel, hein? Non, pourquoi? Il n'y a pas de bêtises, de toute manière. Ouais, du coup, non. Après, on s'en va sur un autre lieu pour aller visiter quelque chose qu'on veut vous partager. Et après, ou on revient ici, ou on reste là-bas dormir, et on revient le lendemain, mais de toute manière, on revient ici hein, pour passer encore une ou deux petites semaines. Là, on a passé quoi? On a passé une semaine. Une bonne semaine. Ouais, ouais. Bon, mais c'est bien, en plus, vous rattrapez le retard des vidéos. On sera presque à live. Bon, mais Doudou, je te passe la cam. La cam. Un peu. Et pour montrer à nos amis, un peu. Tu marches, tu es essuie-glace, mon bébé. Et oui. De l'eau. Ah. Et il n'a pas plu, hein. C'est de l'eau. Non, non, c'est l'humidité. Et voilà, ce joli spot. Alors, on va voir, ça c'est nos amis à côté. Ça c'est nos amis, ouais. Hier soir, on a pris l'apéro ensemble. Ouais, c'est gentil d'ailleurs. Ouais. Ils sont des créateurs de bijoux. De bijoux, j'en importe un d'ailleurs. Ben, on le montrera tout à l'heure. Ah, ben voilà, montre-le. Ah. Il est là. En fait, comme Chouchou, il a la queue de dauphin, de baleine, là, pendue au cou. Autour du cou. Tu vois, où elle est? Elle est juste derrière. Alors. Ben Doudou, on a réussi à trouver pour son poignet. Alors, voilà. Il dit poignet ou cheville. Regarde, amour. Alors, moi, tu vois le. Ça, c'est le restaurant. Le resto pirate. Hein. Là, vous avez une très longue promenade derrière les. Ouais, il y a une belle promenade à faire. Et tout ça, là, derrière, là, il y a toute une promenade. Comme il y a Doudou. On va vous le filmer, là, tout le temps. Tout le long. Tout le long. Et il mélange dans la boîte. T'es pas réveillé encore. C'est bien. Hein. Tu t'es levé de bonne heure, c'était. Bon, il fait super beau. Hein. Ouais. Et là, c'est tranquille, hein, honnêtement. Le spot. Non, c'est super. C'est un spot idéal. Et puis c'est familial, tout le monde vient vous dire bonjour, comment ça va. 40 km/h. Les toutous et tout. Ben, j'ai tendu les toutous hier. On montera mon lit et moustique. Ils ont eu la coupe d'été. Vous voyez la promenade sur le côté là? Alors dans nos vidéos il y a 2 ans à l'arrière, on l'a fait en vélo tout ça. Je vous mettrai le numéro de la vidéo si vous voulez le voir. Ouais, voilà. Vous noterez le numéro de la vidéo. Et on avait marché à l'intérieur aussi. Hein. Ouais, on avait été sur la. Il y a des chats derrière. Alors, je ne veux pas dire bêtise, mais je crois que derrière, en parlant, il y a une plage, mais il y en a plus. Ouais. Il me semble. En fait, c'est pour ceux qui ont trop chaud, que des fois le maillot tient un peu chaud, hein, vous pouvez la lever. Hein. Ou alors qu'il glisse la crème. Non, c'est très joli. Bon, après, alors on m'a dit de dire les températures, mais je l'ai dit les températures. On l'a dit, ouais. Alors là, par exemple, là, il fait 15 degrés. On est le matin, hein. Voilà, l'après-midi, vous montez à. À 25, à 27, 26, ouais. 26 même. Hier c'était 27. 27 ouais. Ouais, non, l'après-midi ça chauffe grave. Hein. Vous voyez, vous avez des accès. Hop, là, trop. Ah, je veux pas trop vite. Ouais, ouais, ne fais pas comme le chouchou qui va trop vite. Je pense qu'il y en aura d'autres. Oui. Ah, mais c'est un joli coin. Nous on aime. Ouais. Chaque coin. Dans le centre-ville, vous avez aussi un Vodafone. Tout à fait. Il y a plein de magasins aussi. Sympa. À combien il est de la plage là? Je sais pas, là on est en train de filmer en direct. On va mettre 10 minutes. 10 minutes à peu près, un ouais. Un véhicule, ça met 10 minutes même. Regardez. Pas. Bon, et après il y a des centres de vacances, d'hôtels de vacances. Bon, c'est magnifique. Hein.
Vous voyez les accès là sur le côté? Là. Voilà. Voilà. Ouais, y a, ça fait de belles promenades quoi. Hop là, tiens ma toutou. Merci. Alors tu sais qu'est-ce qu'on va faire hein? Ralentissez. Oui, 40 km. Ouais, mais t'as vu, il m'a dit ralentissez. On va aller d'abord. Dans les commissions? Non, faire le. Comment ça s'appelle? Faire l'eau. On va aller voir la station là. Repsol, je crois que c'est. Hein? Ouais, je crois que c'est le Repsol. Ah, ce bâtiment, quand même, magnifique. Voilà, vous avez le nom. Ouais, c'est. Bon, c'est touristique, mais c'est très joli. Et pendant cette période, du coup, vous n'avez pas beaucoup de monde. Non. Sauf le week-end. Le week-end, il y a quand même beaucoup d'Espagnols qui viennent. Mais bon, ça se passe très bien. Hein. C'est calme, c'est cool. C'est... Mais nous, la première année, en fait, on est parti en camping-car quand on l'a eu. Il n'y a vraiment que deux endroits où on est resté plus longtemps que 4 jours. Quoi. Donc, il y a ce spot ici, ouais. À Punta Umbra. Umbria. Umbria, ouais. Voilà. On était resté 3 semaines. Alors, je ne me rappelle pas si j'avais pris ça ou pas. Station. Il y a une station marquée. Ouais. Là, regarde le panneau. Station. Oui, je crois que c'est ça. Et après, c'était les Aguilas. C'était les deux spots où on était resté 3 semaines chaque fois. C'est qu'on y était bien. Voilà, donc, du coup, cette année, quand même, on est resté plus longtemps puisqu'on a attendu nos amis les Crispatou pour passer les fêtes du jour de l'an et voilà quoi. Et après ici là on avait beaucoup de vidéos donc il y a toujours une bonne excuse. Toujours une excuse, ouais. Bon, là je crois qu'on va y arriver là. Là on y arrive. Il y a des caméras partout hein. Ah Repsol. Ouais. La gasoline, elle est... Ouais, là, elle ici, est... c'est cher. Elle est chère. Il y en a... 1,60, le moins cher. 2,28 qu'on a connu. Ouais. C'est bon. Mais bon. C'est on ne peut cher. Pas tout avoir. Voilà, mais c'est pas on cher pas non tout plus, avoir. Quand même. De toute manière, là, on n'a pas gaspillé beaucoup de gasoil ici. Hein. Non. Là, je crois que c'est là-bas, l'eau. Hein. Ouais. Il me semble, si je me rappelle. Je vais aller voir. Bon, regardez, Doudou, s'il y a de la du GPL, là. GPL, je crois pas. Ah. Ça on n'a pas regardé sur internet. Non. Non, j'ai pas joué. Mais c'est moi, je continue à filmer là. Non, non. Bon, ben voilà la. Voilà pour l'eau. Ah, ben là, ils ont mis l'appareil payant en fait. Ah. Bon, ça va quand même. Bon, ça ne me gêne pas. Bon, alors, bon, à tout à l'heure. Tu viens montrer. Alors ? Je crois que c'est tout compris. Viens, Mandoudou, viens. Alors, en fait, d'abord, il faut payer. Alors, d'abord, il faut payer, mon cœur. Ah. D'abord, il faut payer. Mais c'est ce qu'on a voulu faire. Ouais, et en fait, tu fais R. Alors ? Non. Por favor, retire su tarjeta. Retire ta carte, d'abord tu fais, vas-y, ce que tu as fait là. Voilà. Maintenant tu payes. Vas-y. Présente la tarjeta. Ok. Il est où, ok? Non. Il est là, oui. Ah, voilà. Gracias. Non, le reste a cobrado. Ils ont pas encaissé. Por favor, vas-y, ce côté. Ce côté. Por favor, voilà, c'est bien. Confirmation. Confirmation. Muchas gracias. Voilà. Hasta pronto. Thank you. Okay. Voilà. Ah, le G, vous voulez voir le G? Il est comme ça. Mmh. Bon, ben voilà. Ouais, ça fait qu'en fait, là, on va mettre 100 litres. Bon, normalement, là, c'est 5 minutes et 1 euro. Bon, c'est pas cher, hein.
Je m'aurais fallu une deuxième pince pour le coincer là. Ah, tu veux une pince à cheveux à moi? Non, ça va, voilà. Voilà, et je brosse. Je crois que je suis pas assez brosé. Bon, j'ai pas bien compris comment ça marche, mais on y arrive quand même. Il y a tout à l'appui dans tous les boutons. Ça y est, on a fait le plein. Alors que je vous dise, bon, j'ai mis 3 euros en tout. Ah, je suis obligé de faire demi-tour. Oui. Je pensais pouvoir faire. Non. Tour. Hop là. Ouais, j'ai mis 3 euros. Bon, j'en avais un peu quand même. Donc, voilà quoi. Bon, ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure au Mercadona. Et voilà. Voilà. On arrive au Mercadona. Oh, ça, c'est notre magasin préféré. Bah, en fait, bah, c'est vrai qu'il y a tout sur place. Et, ça va, c'est propre, c'est nickel. Quoi. Tout va bien. Et là-bas, il y a quoi? Ah oui, alors, là-bas, vous voyez en fond. Alors, Doudou, elle le montre, c'est vrai. Là-bas, vous avez un chinois, un mercat chinois. Un grand mercat chinois. Voilà, qu'il faudra qu'on y retourne aussi. Yes. Mais là, aujourd'hui, là, on va faire les courses et après, on va boire ce qu'il faut boire. Continue. Voilà ce qu'on va voir. Voilà ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir du moins. Voilà. Bateau de Christophe Colomb. La Ravida. Voilà, on y est dans 5 minutes. Ouais. Oh, il y a un grand parking là. Ouais. C'est joli aussi, hein, pour promener. Ça va être très joli ce coin, hein. Ce coin, là, c'est propre, hein? Ouais. Oui, je vois. Non. Il y a sûrement un truc à voir, hein? Sûrement. Là-bas, non? Ouais. Il y a un restaurant à gauche. Ah là, il y a un restaurant à gauche. Bon, on a bien mangé quand même à midi. On a mangé. Oui, on a mangé dans le camping-car. Une bonne salade verte là, bien fraîche. Alors, c'est à droite. Tout droit. La Carabelas. Là, il y a un camping-car, tu vois. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais. Et là, on a 23 degrés. Vous arriverez à destination sur la droite. Prenez la prochaine à droite, puis vous arriverez à destination sur la droite. Mais là, il ne nous a pas amené au bateau. Dès qu'il faut y aller à pied. En fait, c'est le spot. Là, c'est le spot. Ouais, j'avais dû noter le spot. Eh ouais, c'est le spot, c'est pas l'endroit pour aller voir le bateau. Bon, on va voir. Vas-y. Bon, mais les amis, là, vous avez un super spot pour vous garer. Hein. Vous avez vu en arrivant. Vous pouvez vous stationner. Il n'y a pas de service, mais c'est très bien. Alors là, si vous partez par là, vous pouvez monter en haut. On s'est renseigné, il y a un monastère. Bon, on a dit avec Doudou, on va pas vous faire tous les monastères quand même. Je suis dans le bon sens, il y a la flèche vers moi. Et à côté, il y a marqué ça interdit. Ah ouais, bon, je vais reprendre là-bas. Et en fait, on devait vous faire visiter les trois bateaux là, de Christophe Colomb, les trois caravelles. Mais paraît-il que cet hiver, il y a eu une tempête et il y en a un que le mât s'est écroulé. Bon, en fait, c'est fermé.
Que dommage. Alors, du coup, ah ben voilà, on voit le mât, maman. On voit un mât. Où ça? Ah tiens, oui. Tiens, montre-le là-bas, la caméra. Il est juste là. Alors, attends, je vais m'arrêter. On va marquer les... Ah, ah ben non, on donnera le point GPS. Ah ouais, on nous donnera. Ouais. Voilà. Bon, ben. Bon, ben, les amis, je vous mets les points GPS d'ici. Et comme ça, vous pourrez venir voir ça. Bon, après le spot est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Vous pouvez vous poser, c'est gratuit. À visiter, donc, comme on vous a dit, vous avez les caravelles de Christophe Colomb, bon, quand c'est ouvert. Vous avez un monastère et vous avez un très grand parc à faire. Donc, on vous laissera découvrir tout ça. On va pas vous montrer juste le parc qu'on a fait, alors on vous laisse découvrir la totalité. Je vais vous mettre des photos quand même, que je vais récupérer sur internet. Allez, bisous, bisous. Punta Umbria. Attention, maman. Merci. En fait, on passait par là parce qu'on voulait vous montrer. Regardez-moi ces maisons. C'est joli. Alors, il y en a une particulièrement. On va y passer devant. Alors, on connaît ici, là. Ici, c'est un ville, hein, quoi. Et en fait, on est, comme vous voyez des camping-cars, là, on est venu dormir, là, une nuit. Parce qu'il y avait une tempête de vent, en fait, à la plage, et pour ouvrir l'antenne, on avait peur qu'elle s'arrache. Du coup, on est venu dormir là, voilà, derrière ce Himmer. Ils doivent habiter ici, celui-là. Je pense, puisqu'il n'a pas bougé. Alors, on va faire juste cette petite boule. Bon, là, vous avez plein de terrain, vous avez... C'est, honnêtement, c'est magnifique. Comme j'ai dit, du coup, en camping-car, vous pouvez dormir dans les quartiers chics. Là, on va prendre à gauche. Regardez comme c'est propre, comme c'est beau. Ça nous fait vachement penser à la Grande Motte. Hein. Ouais, hein, avec plein de trucs boisés et tout. Alors, regardez-moi cette maison. Je pense que vous serez du même avis que nous. Ah, ouais, c'est splendide. Et tous ces piliers, là, faits en céramique et tout, là, c'est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça. Et pour pas dire mieux. Ils ont cherché à mettre du carrelage dans les piliers et tout là. Et regardez-moi cette montée d'escalier. Tout fait en mosaïque. Hein. C'est vraiment de toute beauté. Et là, c'est beau. Hein. Bon ben on se reprend. Bon, allez, je vous garde un petit peu. On va voir. On va voir ce qu'on met. Allez, allez, je filme. Hein. Y a rien. C'est bon? Todo bueno? Si. Adelante. Bon ben là, on va aller retrouver de toute manière le spot en bord de mer, celui qui fait partie d'un de nos préférés. Ouais. C'est en fait un spot de bord de mer, pour moi c'est celui que je préfère de tous. En fait parce qu'il y a toutes les commodités dans la ville à côté. Là-bas, c'est tranquille, hein, mon cœur. Oui. Là-bas, c'est vraiment paisible. Bon, c'est vrai qu'il y a la route derrière. Alors, si vous tapez un jour où il y a de la circulation, regardez, c'est bon. Eh bien, c'est vrai que ça circule, mais la nuit, ça ne circule pas. Donc, ça va. Puis la journée, vous allez à la plage, hein, vous n'entendez rien. Le week-end, il y a du monde. Ça fait que ça permet de voir du monde aussi. Ouais, ça fait. Voilà, voilà, on n'est pas seul sur Terre. Hein.
Non. Sinon, c'est vrai qu'on arrive dans ces résidences, regardez-moi ça. Là, il n'y a pas grand monde. Hein. Vous avez l'impression qu'on est dans le film Seul au monde. Ah, c'est trop, c'est très balnéaire, ouais. Quoi. Je pense que l'été, ça doit nous changer de le voir en été. Avec du monde. Puis là, tu dois chercher loin de moi, tu dois pleurer. Ouais. Donc là, vous avez la ville à gauche. Hein. Et, bon, alors, on va regarder si on voit rien. Il n'y a rien. Et là, nous, on va à droite. Voilà. Bon, ben, on se retrouve à la bifurcation. Bon, on arrive à la bifurcation. Vous avez El Portil, El Rompido. Et où elle va tout droit. Et nous, on prend à gauche. On suit les pins parasols. Et en parlant de parasols, on a été au Chinois là. Ouais. Mais il n'y avait pas de parasols de plage. Il n'y avait que des petits parasols qu'on met dans les poussettes. Ouais. Du coup, on en a pris un pour mettre à la chaise, on va voir ce que ça va donner. C'est tellement chaud. 27 il fait. Ah oui. Et regardez ça. 27. Aïe. Bon, là, il est 3h55. Ah, 4h, ouais. Quand même. Et j'ai baissé parce que j'ai fait une petite queue à Guardia Civil. C'est pas bon, ça. Non. C'est pas bon, hein. Je te l'avais dit. Eh oui. Là, on voit que ça s'approche du week-end parce que ouais, on voulait revenir le week-end parce qu'il y a des voitures qui vont à la plage. Alors on change de coin, maman, on se met vers le fond là-bas ou quoi? Ben, on va essayer, ouais, mais c'est plein, hein, regarde. Ah ouais? Regarde. Putain. Ouais, ouais. Alors attends. Continue, tu verras bien. Hein. Sinon tu te mets là. Ah ouais, plus aussi. Ouais. Tu te mets là comme elle s'y mettait l'autre. Voilà, là, pour changer.